Ça se pourrait qu'au mois de décembre, vous ayez fait des dépenses un petit peu plus que prévu. Vous vouliez faire des cadeaux aux gens, vous vouliez vous faire plaisir. Mois de janvier, on s'en sert un peu, particulièrement quand il est question d'acheter des produits de beauté, les cosmétiques. Bonjour Hélène Manon Poudrette. Bonjour Eve-Marie. Maquilleuse qui s'appelle Poudrette, on l'adopte, c'est très sympathique. C'est vrai, hein? C'est mon vrai nom. C'est ton vrai nom. Mais tu as des trucs pour nous ce matin, entre autres pour prolonger la vie de nos produits. Oui, effectivement, durant le mois de décembre, on a eu des parties de famille, des parties de bureau, alors on a peut-être... Il ne nous restait pas grand-chose au fond de nos pots et de nos pastilles. Ouais. Alors, je vais vous montrer un peu comment économiser nos produits, comment étirer de belle façon le mois de janvier. Si on parle du fond de teint, okay. Une belle façon d'économiser, c'est peut-être de le diluer moitié-moitié avec une crème hydratante ou une lotion. Alors, ça, c'est... Crème. Effectivement. Et là, on a un super modèle aujourd'hui. Je vais vous montrer comment c'est facile. Vous avez seulement qu'à prendre un petit peu de crème comme ça. Alors, au lieu d'avoir un coup de pompe, deux coups de pompe, trois coups de pompe, on en fait seulement un. OK. Vous le mélangez comme ça. Toi, tu suggères de travailler avec un pinceau, hein? Bien, la raison pour laquelle, c'est que c'est très économique. On parle d'économie ce matin, là, c'est très économique de le faire, puisque lorsque vous appliquez votre fond de teint avec une éponge, la moitié du produit reste dans l'éponge, malheureusement. Ça, même si vous la nettoyez, vous voyez, les pigments restent à l'intérieur. Ouais. Alors, pour économiser, bien, vous le mélangez avec votre crème hydratante et vous l'appliquez au pinceau. Juste pour vous montrer comment ça fonctionne bien, c'est un petit peu comme un genre de crème teintée. Alors, on se retrouve d'un fond de teint à une crème teintée. Et notre modèle a de magnifiques taches de rousseur. Chantal, alors, qui est à la recherche chez nous et qui se prête au jeu ce matin. Alors, vous voyez, lorsque vous l'appliquez, ça donne une texture beaucoup plus diaphane. Vous y allez avec le pinceau, vous y allez avec vos doigts. Alors, comme ça, vous êtes sûr et certain de ne pas avoir l'espèce d'effet masque là, du fond de teint orange qui ne va pas du tout avec votre cou. Effectivement, c'est très, très, très naturel et on veut garder les belles taches de rousseur, mais tout en égalisant le teint. Alors, vous voyez que même si vous le mélangez, quand même, il y a une belle couvrance. Ça va être assez pour cacher certaines imperfections, certaines rougeurs. On accentue peut-être un petit peu autour des yeux. Mais vous allez voir, une petite peau de translucide par-dessus et vous allez économiser 50 % de votre fond de teint. C'est une belle façon d'étirer votre bouteille. C'est ça. C'est ce qu'on veut. Alors, du côté du eyeliner. Oui, parce que là, le teint est fait. On va regarder du côté des yeux. Mais il faut dire que l'eyeliner, c'est vraiment un geste beauté qui est réservé aux soirées. Les soupers. Oui, le moins possible le jour, la grosse ligne d'eyeliner. On essaie d'opter un petit peu pour un look un petit peu plus naturel le jour. Okay. Alors, une belle façon, au lieu de vous acheter, parce qu'un traceur liquide, on se le repose, c'est quand même assez difficile à l'application. Ça prend un petit peu de dextérité, un petit peu de pratique. Alors, ce que je vous dis, c'est que vous prenez votre ombre à paupières que vous avez à la maison dans des teintes de brun, de noir, de gris et même de bourgogne. Alors, vous mettez un petit peu d'eau comme ça sur votre pastille. Attention pour ne pas en mettre partout, hein? Effectivement. Parce que ça peut, comme on dit, ça peut cirer votre couleur. Alors, vous allez vraiment sur le bord de votre pastille, pas au centre. OK. Alors, vous y allez comme ça. Ça va vous rappeler que vous avez 5 ans puis vous faites de la peinture à l'eau. Puis là, ça va devenir assez opaque. Regardez ça. C'est vraiment assez soutenu comme couleur. Alors, on regarde notre modèle ici. Est-ce qu'on peut faire ça avec toutes les ombres à paupières? Presque toutes. Vas-y le faire sur Chantal. Moi, je vais te parler pendant ce temps-là. Ferme tes yeux. Presque toutes, même les marques les plus populaires, les moins dispendieuses, si on met un peu d'eau, on va obtenir cet effet traceur-là. Oui, effectivement. Et si vous voulez rendre le trait un petit peu plus permanent, là, on laisse sécher, on demande à notre modèle de laisser les yeux fermés. Oui. Pour le rendre un petit peu plus permanent, vous allez le fixer avec la même poudre, sauf que vous allez enlever l'eau sur votre pinceau. Okay. Vous allez y aller avec le centre de votre pastille. Qui n'est pas mouillé. Qui n'est pas mouillé. Et vous allez fixer de belle façon, comme ça. Alors, votre trait va rester beaucoup plus permanent, beaucoup plus longtemps. Alors, on ouvre doucement les yeux, vous voyez? Mais t'as des longs cils, là, Chantal. Wow! Ça fait vraiment c'est un travail. Beau. Alors, au lieu d'en acheter, vous utilisez ce que vous avez à la maison. Un autre bon truc pour économiser, la fameuse poudre bronzante. Mm-hmm. À la grosseur que les pastilles ont, vous en avez pour une vie. Alors, vous pouvez l'utiliser pour faire du fard à joues et aussi de l'ombre à paupières. Vous prenez votre pinceau d'ombre à paupières puis vous pouvez faire une ombre vraiment intéressante avec... Avec votre, aller votre couleur. Chercher cette couleur-là. Que ça soit en compact ou en poudre libre, ça peut très bien être utilisé. Ombre à paupières, fard à joues et votre poudre bronzante. Et celle que j'aime tout beaucoup... Tout va jouer dans l'intensité. Oui, où on le met, intensité, ouais. Et les pinceaux que vous allez utiliser. C'est ça. Et une que j'aime beaucoup, c'est la Estée Lauder. Il faut faire attention pour pas qu'il y ait trop de nacre à l'intérieur. Pas trop de brillance, parce qu'à un moment donné, ça fait brillant un petit peu partout. Et ouais. Noël, c'est terminé. Oui, c'est ça. Les soirées, là, c'est fini. Du côté des rouges à lèvres, une belle façon d'économiser, c'est peut-être de prendre vos rouges à lèvres que vous avez à la maison et de faire des mélanges.
Ah, okay, créer sa propre couleur. Absolument. Puis gênez-vous pas de prendre des couleurs pâles et des couleurs foncées et de les mélanger ensemble. Vous allez avoir une couleur médium qui peut très bien convenir à un look de jour. Alors, gênez-vous pas. On travaille dans quoi quand on mélange ça, là? Dans des petits piluliers comme ça. Vous en mettez dedans avec une petite spatule ou un petit couteau. Pointe de couteau. Effectivement. Et les piluliers, on peut les retrouver dans les magasins de l'art, dans les pharmacies. Et c'est une belle façon. Et il y en a même des jolis, là, des petits piluliers. Si vous êtes un peu coquette, vous êtes un peu gênée de vous promener avec un pilulier en plastique, avec les jours de la semaine inscrits dessus, il n'y a pas de problème. On en a des comme ça qui sont tout jolis. Vous pouvez avoir deux couleurs. On aime l'effet brillant du gloss. Qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez mélanger votre rouge à lèvres avec un gloss ou même un baume à lèvres. Alors, votre rouge à lèvres va devenir traitant. On sait qu'aujourd'hui, il fait quand même assez froid, merci. Oui. Alors, si on veut avoir un petit peu plus d'hydratation, moitié baume à lèvres, moitié rouge à lèvres, la couleur va être un petit peu plus subtile, mais votre rouge à lèvres va devenir traitant et vous allez récupérer les couleurs que vous avez déjà à la maison. OK. Un produit qui coûte quand même assez cher dans notre... Si vous ne l'avez pas reçu en cadeau à Noël... Regardez là, les soldes, ça va vous intéresser. Effectivement, tout est en spécial présentement. Alors, c'est une belle façon d'économiser sur nos fragrances préférées. Mais je dois vous dire aussi, essayez-la. Demandez à la cosméticienne de vous donner un petit échantillon comme ça. C'est une bonne façon aussi, vous en offrez en cadeau. Donnez l'échantillon comme ça avec le parfum. Parce que si la fragrance ne va pas à la personne à qui vous l'avez offert, vous allez pouvoir changer votre bouteille si elle est encore emballée. Mais si vous l'avez déballé, vous l'avez essayé, vous ne l'aimez pas, vous êtes pogné avec. Puis aussi, quand on voyage, c'est pratique. Effectivement. Pour économiser aussi sur la façon de nettoyer vos pinceaux, la fameuse barre Sunlight pour enlever les taches, c'est une belle façon d'enlever tous les résidus de maquillage sur vos pinceaux pour quelques sous seulement, puis même les maquilleuses ici à C'est avec ça qu'elles travaillent. Nos collègues du maquillage utilisent ce bon vieux... Alors, vous les trouvez dans les grandes surfaces. Sinon, les lingettes aussi, c'est très pratique. Très pratique, mais en grosse quantité, si vous voulez économiser, achetez-les pas en petits paquets, grosse quantité. Et la même chose pour les shampoings et revitalisants. Eh bien, vous prenez un meilleur marché une fois sur trois et vous allez économiser des sous. Merci beaucoup, Hélène Manon. Un grand plaisir. À bientôt. À bientôt, j'espère.